L'armée sénégalaise est dans une posture de ne plus jamais laisser les bandes armées se réorganiser pour martyriser les paisibles citoyens. Le temps est venu de ramener la paix en Casamance et d'assainir les zones polluées par les cultures illicites. C'est le sens qu'on peut donner à la nouvelle mission de nos Jambars qui, après avoir totalement détruit plusieurs bases rebelles appartenant à des séparatistes en Casamance, sont en train de dépolluer cette zone située au nord du département de Bignonna avec des saisies rocambolesques. Toutes les bases du chef de guerre ont été prises et occupées par les militaires qui y mènent une opération. De fouilles pour tuer toute l'économie criminelle qui se déroule dans la zone. Une traque et un démantèlement de la machine de l'économie criminelle que le MFDC avait mise en place pour s'assurer une survie à travers le trafic de drogue. Selon la direction des relations publiques des armées, ce sont plus de 200 sacs contenants du chanvre indien qui ont été découverts et incinérés entre les localités de Lol Massara, Djondji et Guinée-Djadjoubé, entre autres. Cette saisie rocambolex, évoluée à plusieurs tonnes, englobe également des centaines de bidons de 10 à 20 litres de graisse. De chanvrindiens, de plus d'une centaine de cornets, de tamas, entre autres. Cette fouille des zones reprises par l'armée va se poursuivre avec la même intensité selon des sources militaires et ce, jusqu'à la destruction complète de la chaîne d'exploitation de la drogue. Ces découvertes renseignent à suffisance de l'ampleur du trafic de drogue dans cette zone zadis considérée comme une zone de non-droit. L'essentiel des ressources des bandes armées provient des pratiques illicites et d'une véritable économie criminelle. Chor, Amadi Khalilou Yemi pour la radio-télévision